bien. Non, non, elle était moi, j'étais bien là. Hein eh. J'étais bien, non, j'étais bien. Oh, parfait, du vin. Du vin, tu étais bien. Ça va, le loup. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous avez la patate. Mais la patate. Ouais, les gens, j'ai la super patate, machin, mon copain. Aurais-tu la gentillesse de nous présenter le premier candidat, enfin les deux premiers candidats, car c'est un jeu de force. Et c'est un jeu à la con aussi, hein. Merci. Ah oui, on peut le dire, allez. Nous allons les accueillir par la puissance du crâne sacré, que le profil arrive. Eh bien, nous allons accueillir tout de suite Mathieu, le beau Mathieu qui aime la moto donc, et qui a 22 ans, quel bel âge. Charenton-le-Pont, c'est son endroit d'origine, et il adore taquiner sa copine. Ensuite, nous jouerons Mehdi. Ah oui, Belle et Sébastien, souvenez-vous, ça n'a rien à voir. 20 ans. Oh, bel un jeune Villiers, 92. Et alors, il a son idole, c'est Zizou. Ah ouais, Zizou. Xavier, parlez dans la sucette. Mehdi et donc Xavier. Mathieu. Mathieu. Oui, Vincent. Il n'y a pas de Xavier donc. Non. Très bien. Fan de Zidane? Non, c'est moi. C'est vous? C'est... D'accord. Et vous, fan de? Fan de toi, de vous. Non, lui, il adore taquiner sa copine, Bastien. Bon. T'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. L'un de vous deux va partir à la flotte. Je vous explique le jeu. Vous êtes sur cette plaque de plexiglas. Debout, assis, allongé, comme vous voulez, elle va se redresser verticalement. Le premier des deux qui tombe à l'eau a perdu. Et puis après, on recommence une deuxième fois. Là, vous êtes mouillé. La seule règle, c'est que vous n'avez pas le droit de vous tenir au bord. Il faut réussir à faire le vide entre vos mains et le plexiglas, bien accrocher la pointe caoutchoutée de vos baskets, et se retenir par le poids, mais il y a un moment où vous serez vertical. Donc, les deux tomberont. Faut pas être le premier. C'est tout. Okay. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je récupère les sucettes. Tiens, il y a du jus partout. Soit vous les enlevez, soit vous les gardez. À vous de voir. Bien, mettez-vous en place. Comme je l'ai dit, on va jouer trois fois. Et uniquement à la dernière, je dis bien uniquement à la dernière, vous pourrez vous tenir en haut. Alors, hé, je vais vous donner un conseil, parce qu'apparemment... Le tissu, ça frotte pas, ça glisse. Mettez-vous torse-poil. Enfin, gardez la chemise, oh je veux dire. Oh oui, mais... des beaux hommes nus, oh oui. Bien, alors il n'y a pas de chrono, juste quand je donne top, ça se lève. Vous êtes prêts, messieurs? Le premier qui tombe dans l'eau a perdu, 3, 2, 1, top, c'est parti. On ne se tient pas au bord. Le premier, non, non, le premier qui est dans l'eau a perdu. Ils sont mis bien en haut. On dirait deux grenouilles. Regarde, ils bougent pas. Des petits lézards. Bien, la première manche est pour le fan de Zidane. La première manche est pour Mehdi. Un point pour vous, zéro pour Mathieu. Allez, en place. Et toujours, on n'a pas le droit de se tenir au bord. Vous avez le droit de remettre vos chaussures si vous le voulez. Hein. Pas de chaussures ? Ouais, vous avez raison. On va aller plus haut comme ça. Vous êtes prêts? On n'a toujours pas le droit de se tenir au bord. Allez, Flavio, fais monter les caibotti. La paroi. Oui, parce que les caibotti vont se transformer en frites, hein. Alors, nous surveillons cela attentivement. Ah, Mathieu est très motivé, hein. Mehdi est calme.
olympien. Mehdi contre Mathieu. Mathieu est tombé une première fois. Il commence à glisser et... J'ai envie de voir son visage collé sur la vitre, c'était de toute beauté. Ça me régale. Bon, et on va faire la belle, hein. Oui, parce que j'aimerais... Mais c'est bon, Mehdi a gagné, hein. Mais j'aimerais bien qu'il se tienne quand même, tu sais, comme ça, comme Belmondo, là. Allez, repareil, un de chaque côté, et pour la dernière, vous avez le droit de vous tenir. Ok. Mets-là une petite fessée. Allez. Tu es équipé, Vincent, ne l'oublie pas. Bon, changez les micros. Oh, joli soleil. Ouais. Non, non, non. Les doigts. Non, non, non. À la force des poignets, s'il vous plaît. On va voir qui a des abdos. Oui, oui, les avant-bras, quand on sera vertical, ça sera les bras tendus, hein. Bras tendus. Bras tendus. Ah, il fait moins le malin. Il a l'air très occupé. Ah, Mehdi, comment ça fait bien des doigts, là? Allez, juste pour le plaisir. Voilà. Qui va l'emporter? Allez! Mehdi a perdu juste pour le plaisir. Allez, c'est bon, jetez-vous. Non, lui, il veut remonter. Maman! Yes! Bravo! Allez! Donc notre ami Mehdi a gagné quelque chose, Vincent, quand même. Faut pas oublier. Il n'est pas venu, il n'est pas faire de la télé. Alors je pense qu'il est venu prendre quelques petits monnaies. Merci de vous être prêté au jeu. Merci, merci d'avoir Vincent. Été sportif. Merci. On vous les laisse. Merci. Il est par le fond du plateau. Merci d'avoir été avec nous. Mehdi, félicitations. Qui a gagné notre ami Mehdi? Eh bien, mesdames et messieurs, on va applaudir très fort notre ami, car il vient de gagner 1200 euros. 1200 euros, soit à peu près 8000 francs. Soit vous gardez les 1200 euros, soit vous prenez le truc que j'ai mis dans le garage. C'est qui, la demoiselle à cheveux longs, là-bas? Ah ouais, d'accord. Mais parce que quand j'ai dit on va faire la belle, l'hôtel... Non, non, il a gagné mon casse-croûte, c'est mon casse-croûte qui a gagné. 1200 euros, ce qui vous place pour l'instant en tête au niveau du deal final, puisque vous êtes dans le premier jeu, ou le garage. La sécu ou l'aventure? Je serais pour l'aventure, mais je me dis que la sécu, ça serait bien aussi. Vous êtes plutôt sécu ou aventure? Aventure, vous êtes bien rencontrés les deux. Garde, elle dit. Ah ouais, putain, ça coupe, là. So, tell me. Je vais dire... L'aventure. Aventure. Il part à l'aventure. Il part à l'aventure. Et bah, il va être content. Une belle aventure. Une belle piscine, son bonheur. Voilà, avec un toboggan, maintenant. Avec un toboggan. Ah, allez, vas-y, essaye-le. Ah non, il y a de l'eau, ça va bien, vos conneries. Mehdi, merci d'avoir été avec nous. Je vous applaudis très fort. Récupérez vos baskets. Et on se retrouve au deal final. A tout à l'heure. Merci beaucoup. Voici le profil du deuxième candidat. Et bien nous...
Nous allons accueillir maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Géraldine qui a 31 ans, qui vient donc du Bouillard. Elle vient surtout de Bouillon-Billancourt et voilà ce qu'elle aime dire. Je suis Rital et je le reste. Et dans le cœur et dans le geste. Bonjour, Sandrine. Géraldine. Venez à mes côtés, je vous présente le public. Bill est derrière moi. Et donc, Géraldine, vous êtes son nom italien? Si. Si, d'où? Del Friuli. C'est où ça, Friuli? Dans le nord de l'Italie. Ah ouais, d'accord. Voilà. On va jouer à former les couples. D'accord. Parce que moi, je trouve que tourner manège nous manque beaucoup. Mmh. Dans le public, ici sur ma droite. Salut le public. Ils ont tous à la main un rouleau de ruban orange. À ma gauche, les adversaires. Salut le public. Ils ont tous un ruban jaune. À mon top, ils vont tous jeter leur ruban au milieu en gardant une extrémité. D'accord. Donc vous allez vous retrouver avec 100 rubans orange et 100 rubans jaunes. Il faut arriver à prendre deux rubans, faire un nœud de manière à ce qu'il y ait un homme d'un côté, une femme de l'autre. D'accord. Donc, en gros, quand vous en prenez un, vous tirez. Vous voyez ce que vous avez chopé. Ah, là, j'en ai un beau, là. Oh, là, j'en ai un gros, là. Tiens, là, il se remet les écailles en place, même. Là. Enfin, on va pas dire les écailles, il se met l'écaille en place. Hop, vous cherchez de l'autre côté. Une bergère. Là, vous avez... Non, celle-là, elle a une chaîne en or avec les cheveux courts. Elle fait costaud, elle fait mec, cette grosse. Ah, à côté, hop. Vous faites un nœud. Et plus il y en a, plus vous gagnez d'argent. Car à chaque couple reconstitué, Bill vous offre... Oui. Alors, je vous offrirai des sous, je... Merci. Je vous offrirai 100 euros. Je me disais, Vincent, pour aider, motiver Géraldine... Oui, Bill, oui. Serait-il possible pour le public d'avoir une cible pour qu'il vise bien? On pourrait mettre, par exemple, un homme comme Fred Leroux en plein milieu, tu vois. Ouais, on va mettre Leroux, là. Viens là, Leroux, viens là. Viens ici, là. Voilà. Là. C'est tellement mieux. Viens ici, là. Le Roux, chauffeur de salle du Big Deal depuis 6 ans. Là. Alors évidemment, celui qui le chope en pleine tête, on double les points. Bon, Bill. Vincent. Y a un temps? Oui, mon ami Vincent. Nous avons 1 minute et 30 secondes. Attention, pour viser le Roux, vous êtes prêts? 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, c'est parti. Mais vous faites le nœud sans savoir. Regardez ce qu'il y a au bout là. Regardez. Elle a perdu. Un autre. C'est une idée. Tenez-le bien. On fait un maximum. On peut vérifier dans le dernier temps. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, une femme. Tenez-le bien. 1 minute 10. Hop, il est. C'est. C'est beaucoup pas. Toi, tu m'as visé. Hein. Ah, ça va être les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et là, on a qui, là? 52 secondes. 52 secondes. Écoute, un petit peu. 45 secondes. Oui. Alors, on en a 3. Combien de temps reste-t-il? 35 secondes, mon copain. Bon, stop, arrêtez le chrono, arrêtez tout. J'arrête tout, Vincent. C'est de faire de double nœud qui est long. Non, en fait. Mais c'est. Non, tirez pas trop fort parce que vous allez les péter. C'est porte d'Awak, hein. Ouais. Alors, attendez, là, c'est fait. Alors, là, qu'est-ce qu'on a là? Là. Qui a lâché? Qu'est-ce qu'on ça a là? Ça va pas du tout, ça. Là, on a un gars. Et là, on a quoi là? Une meuf. Là, alors là, c'est une partouze. Bah, ça existe. Ici. Voilà, c'est ça, c'est le monsieur en pull rouge. Alors ici, on a une meuf. Et c'est tout. Non, ouais, c'est le Bolduc. Donc on en a deux. Et là, on a une fille et un garçon. Bien, on en a 3. Il vous reste combien, Bill? Il nous reste 30 secondes, Vincent. Il reste 30 secondes, on en a 3. C'est combien? C'est 100 euros, Vincent. Eh, je vous donne 300 euros tout de suite et on n'en parle plus. Non. Hey, je vous donne 300 euros tout de suite. 400. Je vous donne 400. 500. Oh non. Je crois pas rien. Ah ouais, non, ça va. 400 euros, vous arrêtez. 600. Non. 600. Tout à l'heure, vous étiez à 500.
Ah oui, mais ça augmente vite, hein. Non, non. C'est... Vous avez un portable sur vous? Non. Attention, vous allez partir à la flotte. Remarquez, on sera deux à ce moment-là. J'ai une tenue de rechange, ça va. Ah! Je vais voir de quelle capitale je dispo... Il en manque, Marconi. Non, je dis, moi, je vais jusqu'à 400 euros. C'est comme si vous en tiez un plus. Oh, il y en a plein, là. Oui, mais j'ai d'autres jeux à faire. Ah ouais. 400 euros. Allez, 400 euros et on en parle. C'est 400 ou quoi? C'est 400, je dois refaire les 30 secondes. C'est 400, vous refaites les 30 secondes. Et peut-être vous ferez 30 secondes pour en refaire qu'un. Et auquel cas, je vous donne déjà 400 euros. 600? Non! 400 une fois. 400 deux fois, vous pouvez faire mieux, hein. 400 trois fois, on arrête et vous continuez. Elle continue! Ok. Tenez bien. Tenez bien. Il vous reste combien, Bill? Il nous reste 30 secondes, Bastien. Allez, top chrono, c'est reparti. Allez. Je vais danser. Vous l'avez pas déjà fait, vous? Ça fait deux fois que vous êtes attaché à un homme, hein? 15 secondes. Il vous reste 15 secondes. Eh, mais il est pas fait, le nœud, là! On vérifiera après, si ce n'est pas fait, ce n'est pas accordé. Non, il est pas fait, le 2, nœud. 1, stop. Terminé. Oh. Alors, tendez les rubans. On en a plus qu'un. Et je vous proposais 400 euros tout à l'heure. Non, oui, ça va. Tout à l'heure, vous en aviez fait 3. Ouais. Et je vous ai proposé 400 euros pour arrêter. C'est vrai. Vous n'avez pas voulu les prendre. Non. Du fait, vous n'en avez pas fait un supplémentaire puisque les nœuds n'ont pas tenu. Et celui-là, c'est quoi? C'est un vieux, ça? Qui ça, c'est un vieux, Barry? Ça, ouais, c'est un vieux, ça. Mais attendez, ressortons les 3. Allez-y, ceux qui en avaient 3, ressortez-les. Ceux qui étaient attachés tout à l'heure. Vous voyez, ils se sont défaits tellement les nœuds étaient bien faits. Celui-là, c'est moi qui l'ai consolidé. Donc on c'est en avait 3. C'est facile, parce qu'on n'a pas les petits bouts. On n'a pas dit que c'était facile. Hein. Bah ouais. Sinon, c'est pas le big deal. Non, bah c'est clair. Bon, alors, vous aviez 300 euros. Je vous en ai proposé 400, vous n'avez pas voulu. C'est vrai. Bill. Oui. Moi, je propose la chose suivante. Oui. Soit elle prend les 300 euros. Voilà. Toi non plus, tu t'es pas lavé les dents. Alors doucement, hein. Voilà. Et voilà. Soit elle garde ses 300 euros. Oui. Soit elle prend ce qu'il y a autour de toi. Oui, exactement. Soit vous preniez 300 euros, soit vous prenez ce qu'il y a autour de lui. Oh. Mais qu'est-ce qu'il y a autour de lui? Bah, autour de Bill, ouais. Prenez ce qu'il y a autour de Bill. Ouais. Pas les 300 euros. Non. Ça peut être n'importe quoi, hein. Eh ben autour de Bill, allez. On prend ce qu'il y a autour de Bill. Autour de Bill. Elle a décidé de ne pas prendre les 300 euros et de prendre ce qu'il y a autour de Bill. Qu'est-ce qu'il y a autour de Bill? Ça, c'est Bill. Et autour de Bill... Un appartement. Non. Ah. Vous avez un très bel écran vidéo. Oh. Mieux que ça. Eh, déboire. 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 Oui, je vois. Bisous. Voilà. Voilà, arrêtez. Et alors, Voilà. Et alors, parce que t'as un garçon quand même, ça se peut pas. Et alors, vous avez gagné ça, mais il y a un lecteur DVD aussi avec. Et vous savez combien ça vaut? Moi, vous m'avez la regarde. Vous savez combien ça vaut? 2 200 euros. 2 200 euros, filez par la courte. Merci d'avoir été avec nous. À tout à l'heure, attention à la cipelle. À la télé. C'est bon, vous êtes libre. Allez, on envoie le troisième profil du troisième candidat et là, on va avoir un très joli numéro de music hall. Et bien maintenant, si nous accueillons la belle Sabrina, et bien d'accord, accueillons-la. Elle a 21 ans et elle vient de Saint-Cloud. Mon Dieu. Tout cela. Et alors, elle adore sortir en boîte. Moi aussi. Ça va? Ça va, oui. Ils sont tous et main classée. Ça va bien? Ça va. Bon, un peu traqueuse quand même, hein? Un peu.
Et si ses mains sont glacées, c'est que son cœur est chaud, Vincent. Votre cœur est-il occupé? Un peu, oui. Un peu? Ouais. Ça ne me lâche pas la main, quand même. Hein. Bah, c'est vous qui me la tenez. Vous êtes venu avec qui, Sabrina? Avec mon frère et sa copine. Oui, les sœurs, votre frère. Bel homme, soyez le bienvenu. Mademoiselle. Je vous propose d'assister à un très joli numéro de transformiste. Oui. Alors, on va s'installer. Valérie va venir nous faire son numéro. Regardez tout, absolument tout, car après je vous pose 4 questions, du pognon à chaque bonne réponse. Ok. On va aller s'asseoir là-bas. On va aller s'asseoir là-bas. Attendez un petit peu alors. Je voudrais que l'on accueille comme il se doit une artiste qui a un numéro qui lui permet de traverser le monde. Et lorsqu'elle est arrivée à Las Vegas, elle a reçu le prix... Siegfried et Roy. Et puis quand elle est allée au Festival de la Magie de Monaco, elle a remporté la médaille d'argent. Je vous propose d'accueillir et d'applaudir comme il se doit la très jolie Valérie. Yeah, bravo, bravo. Ah oui. Ah oui. Bravo. Bravo, Valérie. Valérie, encore une fois, merci. 4 minutes de show, ça en fait des détails. Ouais. Bien. Alors moi, je vais vous poser des questions. 4 questions. Chaque bonne réponse rapporte 1000. Ah oui, mon ami Vincent, tout à fait. Les bonnes réponses, c'est bien ces 400 euros par bonne réponse, mon ami Vincent. Il y a quelques accessoires encore qui vont peut-être vous permettre de vous redonner de la mémoire. Le public, vous soufflez pas tout de suite, hein. On soufflera après la réponse, mais on la laisse travailler un petit peu, quand même. Quelle est la couleur du premier impair que portait Valérie lorsqu'elle est arrivée? Beige. Beige, ouais. Genre Colombo? Ouais. Genre comme ça? Comme ça, ouais. On a une image pour vérifier ou... Oui, oh, yeah, t'as vu? Yes! Beige, marron, un peu à la couleur. On va l'accepter, c'est marron, c'est beige, c'est très bien. Alors, la dorée, la dernière. La dorée, la dernière. Une verte. Une verte. Une rose. Une rose. Et une blanche mini jupe blanche. Ouais, à paillettes. Avec le, quand elle s'est changée en premier. Ouais, ouais. D'accord, fait 4. 4. 4. 4. On s'arrête là? Ouais. Fred J, s'il te plaît, aurais-tu la gentillesse de nous passer rapidement 1, 2, 3,
4. Et 4, c'est gagné. Oui, il y en avait 4. C'est combien la bonne réponse, t'as dit? Regarde. Deux petites secondes, regarde, j'ai travaillé avec Valérie, regarde. Hop là, t'as vu? Hop là, t'as vu ça? Ouais. Hop là. Eh, Valérie, on en a trouvé un plus dur, elle va encore mieux, lui, hein. C'est elle qui m'a appris, hein. Alors, c'est 400 euros par bonne réponse. On est à 800 euros. Plus difficile. Vu de là-bas, ça dépend si on se regarde de face. Okay. Vu de là-bas, quelle jambe de Valérie disparaît en premier? Elle était comme ça. Quelle est la jambe qui a disparu la première? La droite ou la gauche? La droite, ouais. Vous dites la droite, ouais. On regarde en image. C'était la droite. Attention, dernière question. Et c'est la plus difficile. Combien de... Et c'est bien parce que vous venez quand même de gagner 1200 euros. Hein. Et 1200 euros. J'ai rangé un truc dans le garage, il me semble, non? Ah, oh ben oui, complètement. D'ailleurs, je voulais te féliciter, tu es très ordonné en ce moment. J'ai rangé un truc qu'on m'a livré ce matin dans le garage. Moi, perso, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, c'est 1200 euros le garage. Bah le garage alors, hein. Attention, je vais faire un... Il va disparaître et on ne le retrouvera plus jamais. Je vais faire un tour. Attention, vous êtes prêts? Hop. Il va faire un tour. Et voilà, il a fait un tour. C'est extraordinaire. Vincent Lagaffe, mesdames et messieurs. Bon, 1200 euros ou le garage? Le garage. On rejoue nos 1200 euros. Ah non, c'est pas votre fiancé, c'est Nick, votre frère, après tout. Ben oui. Tu peux me faire le code du garage, parce que je l'ai pas, moi. J'ai pas la télécommande. B723, César, ouvre-toi. Abri. Et voilà, c'est la voiture. Une superbe voiture à gauche. 1260 euros. Elle est mignonne, elle est belle, elle est intelligente, elle a une voiture, et voilà. Ah bah oui. Je vous laisse savourer votre bonheur en famille. Moi, je vous souhaite d'être heureux tout au long de votre vie. En attendant, on va se retrouver dans quelques instants pour une courte page de pub. Nous voilà de retour, et puis une page publicitaire pour vous présenter le dernier candidat de ce formidable Big Deal. Le voilà! Alors, que diriez-vous de rencontrer Frédéric? Très beau garçon, très bon parti, très élégant, 27 ans, il est formidable. Hein, il vient de Tremblay, en France, dans le 93. Il rêve de nager au milieu des dauphins. Eh bien, on va lui présenter Flipper. Ah bah oui, Flipper. Frédéric, comment allez-vous? Bien, et vous-même? Écoutez, nous sommes mieux que vous, car ma position est beaucoup plus sécurisante et confortable que la vôtre. J'imagine bien. Faites quoi dans la vie? Moi, je suis animateur commercial. Fort bien. J'espère que vous aimez l'adrénaline. J'adore ça. C'est très simple. Une passerelle à 2, 4, 6 mètres de haut. Une deuxième passerelle à 8 mètres. Une troisième passerelle à 10 mètres de haut. D'accord. Celle-là fait 70 cm de large.
Là, on a 30 cm de large et là-haut, elle fait 12 cm. Le cadeau que vous devez gagner est sur le haut de la tour. Il faut donc traverser cette passerelle. Je vous récupère au bout. On vous monte sur la deuxième. Vous la traversez. On vous récupère. On vous monte en haut. Soit vous traversez et c'est gagné. D'accord. Soit vous tombez, c'est paumé. Soit vous refusez de traverser. Et c'est paumé. C'est paumé. D'accord. À mi-chemin, je vous proposerai 10, 15 euros si vous avez c'est vraiment sympa, la pétoche. C'est énorme. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. On n'a pas tout le temps. D'accord. Vous êtes prêts ? Très bien. Eh bien, écoutez, c'est quand vous voulez. Voilà, donc, jusque-là, tout va bien. Vous vous sentez de monter en escaladant ou vous voulez que je vienne vous chercher ? Je peux grimper tout seul, sinon. Eh bien, grimpez alors. Allez-y. Vous êtes assuré, vous escaladez, vous aimez l'adrénaline ? Bien. Eh ben, faut aller de l'autre côté maintenant. Oh, petit pingouin. Eh, il a peur de rien. Ah, il y va, hein. Et on le retient, c'est Fabio qui le retient. Bien. Ça va, Frédéric ? Très bien. Vous le sentez ou pas ? Ouais. Vraiment ? On va essayer. Eh ben, écoutez, allez-y, grimpez. Ah, ça tire. Ah bah oui, hein, c'est Fabio, lui... Ah, puis la tour bouge, là, c'est terrible. Par-dessus. Il n'y en a pas de problème. Bien, alors là, j'ai oublié un tout petit détail. Ouais. C'est que, arrivé au bout, il faudra revenir. Car le cadeau, il est dans l'enveloppe, là-bas. Les vaches. Et alors, là-bas, arrivé au bout, vous n'avez pas la possibilité de monter sur la tour. Vous pouvez juste vous tenir à la barre, faites demi-tour et revenir. D'accord, mais je peux faire une petite pause là-bas, quand même. Tout à fait. Vous traversez, vous tombez... Vous avez peur ? Bah, on va traverser. Allez, quand vous voulez. Mais ça tire, là, c'est laissé. Non, non, mais c'est juste une question de sécurité, mais on va pas... Laissez-le bien aller, hein, Olive. Eh oui, là, il y a 10 cm de large. Ne le retiens pas trop, Olive. Super. Bien. Ça va ? Demi-tour. Ah, j'ai oublié de vous dire, les yeux bandés en arrière et à cloche-pied. Avec les yeux comme ça. C'est chaud, hein ? C'est le pied. Ouais. Ça bouge, hein ? J'ai gagné. Deuxième. Bravo. Donc nous avons un cadeau en haut, Ben. Donne-lui, Gus. Je vais lui donner. D'accord. Montez avec moi. Ouais, donnez-le-moi. Bien, Frédéric. Ici, il y a un cadeau, mais un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que si ça se trouve, le cadeau intéressant, il était sur la plateforme de départ. Parce qu'il y a un cadeau dans un coffre sur la plateforme de départ. Vous êtes peut-être monté pour rien, vous êtes peut-être monté chercher le cadeau bidon. Donc, à vous de décider, que faites-vous ? Ah, là, c'est vache. On prend le cadeau du haut ou le cadeau du bas ? Moi, je sais. Oui, mais on s'en fout. Ouais, on s'en fout. D'accord. Ah, mais quelque part, je me dis, celui-là, il a une belle taille. Ah, il est bien, hein. Ouais, il a une bonne tête. Il a de la gueule, celui-là. Mais je me dis, je suis pas monté jusqu'en haut pour rien, quoi. Non plus. C'est celui-là que je voulais. Ouais, ça va. Hein. Donc, je pense que je vais prendre celui-ci. On prend celui-là. Ouais. Eh bien, écoutez, on va tourner de l'autre côté. On va descendre la nacelle. Et on va découvrir ce que vous avez gagné. Bill, un mot à rajouter, quelque chose, non ? Non, rien à rajouter. Si son choix est définitif, je m'incline, mais je n'ai rien à dire. Vincent. Bon, eh bien écoute, on a déjà dépassé le coffre. Voilà, maintenant, il est trop tard pour remonter chercher l'autre. Je vous en prie, ouvrez. C'est un cadeau qui vous est vraiment destiné. Un livre ! Comment faire ? Petites angoisses et grosses phobies. Voilà, tout à fait. Ah oui, mais ça, je vous avais prévenu. Hein. À 19 euros. Et alors, Frédéric, je vais vous mettre un tout petit peu les boules, parce que... dans le coffre. Puisque nous en parlons du coffre. Il y avait, excusez-moi, un stage de plongée à La Réunion pour deux personnes pendant sympa. Une semaine. Sympa, les gars. Sympa, les gars. Sympa, bien. Non, vraiment, bien.
Alors, nous voyons les images actuellement. C'est... Frédéric, il vaut mieux pas que vous voyez ces images, car elles vous mettraient des boules, mais alors plus que velou, elles seraient atomiques. 3 180 €. Voilà. Sympa. Eh bien, nous, c'est sur cette petite vitesse que nous allons nous retrouver sur le plateau du Big Deal. Et nous allons lancer la dernière partie de ce jeu, à savoir le Big Deal. Oh, j'adore cette musique, mes amis terriens. Elle me fait danser, voyez-vous. J'aime danser, hein. Alors, je vous rappelle tout d'abord que vous pouvez faire partie du public du Big Deal. Oui, ça, c'est possible. Il vous suffit d'appeler le numéro de téléphone qui s'affiche. Oh, tu es très fort. 0825 89 90 91. Merci de nous au téléphone et je vais maintenant faire le grand récapitulatif. Nous avons donc... En première position, Géraldine. Ah oui, Géraldine qui a gagné un écran LCD avec un lecteur DVD, avec plein de DVD à 2 201 €. Il fallait qu'elle renoue les gens ensemble. C'est bon ce que je viens de dire. C'est très joli. En deuxième position, Mehdi, qui a prouvé qu'il pouvait être sans piquer par une araignée, sans être piqué par une araignée, un véritable homme araignée à 75 €. Oh là là. Et en troisième position, Frédéric qui a bravé sa peur et on l'a récompensé par un livre sur la phobie. 9 €, je ne partirai pas. Sans vous rappeler que la jolie Sabrina, j'insiste, elle est jolie, mais elle ne m'a même pas regardé, a gagné la voiture à 12 260 €. Voilà. Et tous ces gens-là, ont gagné un abonnement de 1 an au très célèbre Télé Loisir. Il est là, à côté de moi. Il est plein de couleurs. Il est beau. Et puis maintenant, il va dire au revoir à tout le monde puisque Vincent va reprendre. Hein. Voilà. Vincent, maintenant, c'est à toi. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés dans la ligne droite finale de notre Big Deal et il nous reste 3 candidats en course sur 4 jeux puisque notre amie a gagné une voiture, donc elle ne revient pas. Notre amie italienne qui va repartir avec... Un DVD, l'écran plasma, la totale, voilà. Ça vaut beaucoup de pognon. Vous ? Une piscine gonflable, il est content d'être venu. 75 et lui, euros. Petite 19 euros. Angoisse, c'est grosse phobie. Ah ouais, c'est de la BD. C'est plein d'images, c'est bien. Ah ouais, c'est plein d'images. Eh ben, il va le garder. Bah non, je vais le colorier. J'espère que vous aimez la lecture, parce que lui, la piscine gonflable, visiblement, ça le gonfle. Ouais, je me doute. En attendant, la parole est à vous. Géraldine. 14 000 francs, Géraldine. Je garde. Ouais. Ouais. J'insiste. Même pas. Elle est là. Bah ouais, mais... C'est sûr. Ouais. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Mehdi, moi ça. Oh oui, mais oui, c'était terrible. Je pense que je vais rejouer la piscine. Merci d'avoir tenté votre chance, vous avez été un candidat fort sympathique. Mehdi, mettez-vous à la barre et vous allez voir que d'un coup, tout ce que vous avez pu faire va vous paraître complètement facile par rapport à la décision qu'il faut prendre. Sachant que vous venez pour repartir avec ça. Oui, et ça vaut 10 210 €, mes amis. Merci. Et il ne pense qu'à ça. Ah, Bill, oui, oui, voilà. Présente-nous les candidats de ce soir, membres de ta famille, à savoir ta soeur, ton frère, ta mère. Oui, un petit peu de respect pour maman. Par la puissance du crâne sacré, famille arrive. Voilà. La tasse de la soeur, histoire de la boire. Le dé avec le frère, tentez votre chance. Et les deux cochonnes. Dis donc, mais c'est maman dont tu parles là. Dis donc, ça va pas mieux. On en élimine un déjà. Vous aviez une idée à l'avance? Non, pas du tout. D'accord. Mais je pense que je vais éliminer la sœur. La sœur avec la tasse pour pas la prendre, ouais. C'est une bonne philosophie. Moi, ouais. Je vais avec vous dans votre sens. Ouais. On l'élimine? On élimine. Allez, on dégage la sœur. Eh ben voilà, c'est fait, c'est gagné, on n'en parle plus. Adieu l'ordinateur multimédia à 1 194 €, comme dirait Vincent. Je rappelle, puisqu'on est dans le premier mois de diffusion de cette nouvelle émission, que le logo de la voiture a changé. C'est une tour Eiffel avec un feu d'artifice, c'est plus une voiture. Ok? Qui prendrait le frère? Sa mère! Le frère. Ouais, moi aussi. Le frère.
frère. Le frère. Le frère. C'est tout ou rien, là. C'est tout ou rien. On se lâche. Le frère. Le frère. Après la piscine gonflable qui gonfle, nous nous retrouvons à la tête d'un jeu de cartes. À 5 euros, la voiture était derrière la cochonne à propos. Malheureux vous êtes. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment. Merci d'avoir été avec nous. Merci le public d'être avec nous tous les soirs ici sur les plateaux de Brie-sur-Marne. Merci d'avoir été avec nous. Salut à toi, mon bon Bill. Monsieur Fred, j'ai passé une bonne soirée. On a rendez-vous chez Monsieur Duchesne. À demain pour une nouvelle émission.